Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 26e let's play de God of War 4. On va continuer l'histoire, essayer de trouver l'accès à Jotunheim. Il y a forcément un moyen, Tyr était très malin et on l'est peut-être un peu moins que lui. On est parti! La rune de Tyr, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. Oh le bordel. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Et arrête de courir, reviens là, j'ai dit. L'arbre ! On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Ok. On a des royaumes à visiter d'ailleurs. Il y en a deux où on peut aller, je crois. Le royaume du feu et l'autre, je me rappelle même plus. C'est dans mes objectifs. Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Eh ben, va falloir grimper. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut aller voir? Non, on peut pas. Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Cette tapisserie, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Waouh. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Ah, quelque chose par là ou... Demi-tour. Oh, qui est-ce ? Je sais pas, mais ils sont balèzes. Atreus, c'est bien la rune pour Jotunheim? Oui, et regarde, on est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses? Recule. D'accord. Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial. Faire quoi? On va retourner le temple. Oh oh, il se passe quelque chose. Elles n'ont pas l'air d'attaquer. Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aos. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre? C'est quoi?
Tu as dit qu'il y aurait un chemin, et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Ok... Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait, peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. Ok, deux portes. Va falloir se faire les deux de toute façon, vu qu'il y a des chaînes de chaque une côté. Une armée de statues. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde de paix qu'il imaginait, le seul soldat dont il aurait besoin serait des statues. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux, non? Ok, on va voir. Encore ces pièges mortels. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Merde. C'est fait, hein. Steak tartare de Kratos. Non, mauvais plan. C'est bon, j'ai compris. Faut toutes les aligner. Putain, on n'a pas fini. Il y en a combien, sans déconner? J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Ouais, grave. trop de vie dans le coin, là. Un vent de helme. Faut trouver le deuxième. Ah bon, on va utiliser celui-là, je crois. Pas trop le choix. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette blague là? Je peux pas passer avec un truc comme ça. Ok.
toi de jouer, mon frère. En attendant que les dieux soient bons. On peut attendre longtemps. Non. C'est nous qui attendons. Une chaîne, juste là, ok. Encore un morceau du code. Génial.
Merde. Ok. Okay. Bah là c'est bon du coup, c'est plus facile pour se barrer. Par contre là, ouvrir les deux portes, c'est obligé qu'il y ait quelque chose. C'est bon, j'ai compris comment on fait. Magnifique. Allez, on est reparti. On va faire péter la deuxième chaîne. Oh putain, le timing. Ça va que je suis bon, hein. Allez, vas-y. Pourquoi t'ouvres pas la porte? Ah, ce genre de piège. Il faut savoir varier les plaisirs. Oh la blague. Ouais. L'effet Kratos comme tu dis. Cours Kratos, cours! Putain, c'était ça? Bon bah au moins ça, c'est fait! Oui, parce que je suis mort plus de 6 fois hein, à essayer de résoudre ce casse-tête de merde là. Mais je voulais couper au montage. Dis merci Key. Ça sent l'affrontement à plein nez sur le retour, ça. Brassard du Serpent Monde, objet légendaire. Favorise les runes. Okay. Ça se pète pas. Putain, la gueule du truc, ça donne envie quoi. Petite bombe, d'accord. Allez. Nouvelle énigme à la con. Je déteste cette partie. Je sais. Un peu. Ok. Donc là c'est l'inverse. Oh bordel. Et si je reste là, ça craint. On va vite le savoir. Je me suis chié dessus là, c'est quoi ce délire? Alors y'a quoi de neuf là? Y'a quoi de neuf? Putain, mais on peut pas courir. Oh la vache, mais c'est tellement rapide. Putain, je sais pas si c'est moi qui monte ou si c'est le reste qui descend quoi. Ça, je peux même pas tirer ça. Je peux me mettre à l'abri là-bas, non. Je reviens pas qu'on soit si près du but. Personnellement, je n'ai jamais douté. Ouais. Après, on pourrait les arrêter, c'est pas plus mal. Ouais, enfoirés. Donc là, on va péter la chaîne, ça va partir en cougnette direct. Laissez-les en paix. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à nous, ça. Non, je pense pas.
Maintenant, on peut décoder les runes de Niflheim. Il y a même la rune de passage. On y va ? Trophée obtenu, polyglotte. Ouais, on a plusieurs glottes, on est trop content. Langage de Niflheim. Ok, et vous pouvez désormais accéder à Niflheim depuis la salle de passage entre les royaumes. Trois royaumes où on peut aller maintenant. En fait, ouais, c'est en débloquant les langues qu'on peut y accéder, ça me revient. Est-ce qu'on a toute notre vie ? Oui, on a toute notre vie, toute notre rage spartiate. Ah ouh, this is Sparta ! Vous êtes prêts les gens, ça va castagner sec. Vas-y, viens, viens. Encore. Ouais, t'as du bol, j'allais te faire un retour à l'envoyeur, enfoiré. Ah merde. Bon, attends, on va finir de récupérer tout ce qu'il y a déjà. Il y en a par là aussi de la nuit. Là je le vois pas. Ouais, on a tout ramassé. On va y aller. Couper. Connard.
Prenons le temps de faire les choses correctement. Vas-y, envoie. Oh merde, pas tout seul. Atreus, c'est le moment de retourner le temple. Oui. Pourrait-on arrêter d'employer l'expression « retourner le temple » ? Ça devient un peu trop normal. La vache. Putain. Les combats, ils commencent à être tant d'axes. Hein. C'est par où du coup ? Tout sachant que ça va se réveiller à un moment donné. Enfin, j'espère pas, mais... Allez, on remonte. Mes frères, je sais ce que je vous ai promis, mais si jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous, Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Hey, ils ont plus la chaîne dans la main, les deux, là. Mais ils sont peut-être libres. Pousse avec tes jambes, frère. Qui sait ? Sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus ? Là, à gauche ! Je pense qu'on peut monter à l'envers pour rejoindre la salle de passage entre les royaumes. Eh ben, allons-y gaiement, gamin. Tu vois, Mimir ? Personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri, quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de Tyr.
Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère? Le garçon a trouvé son équilibre. Ça veut dire quoi, ça? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. C'est clair. Parce qu'il file un mauvais coton, hein, le minot. Et alors le temple a été conçu pour être renversé. Regardez, l'arbre est à l'envers. Ou c'est nous? Je ne sais plus trop. Une bonne question. Putain, je suis perdu. Après les amis. Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par les pies d'Odum, là. C'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci, sur le panneau de la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Le chemin de Jotunheim terminé, les copains. Alors tu penses aller. Que la fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Eh ben, on va le faire. On va le faire. Là, du coup, l'arbre monte, il est à l'envers. J'ai envie de me jeter dans le vide depuis une branche de l'arbre monte. Chaque chose en son temps. Vraiment. J'y allais ou quoi? On en revient. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous? Rien. C'est bien que vous ayez réglé le problème. Ah. Eh bien, je pourrais t'en dire autant. Ah. Oui, je crois que j'avais un peu perdu pied. Tu lui as dit ce qu'il devait entendre, si tu veux mon avis. C'est pareil. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, Sindri. Tu me pardonnes? C'est déjà fait. Tu l'as dit, le problème est réglé. Maintenant, au travail, pour que je devienne... sentimental. Eh bien voilà les amis, on aura enfin terminé cette mission. Les pièges, je me serais bien croqué la tête, hein. J'ai fait pas mal de coupes au montage, parce que sinon le let's play aurait duré 2 heures. J'espère que ça vous a plu. Dans le 27ème, je vous promets beaucoup de contenu. On va découvrir le monde des nains, Niflheim. On va faire une quête secondaire à Affaire de Famille, celle demandée par le fantôme dans les let's play précédents, hein, celui qui s'est fait poignarder par son fils, et on va également continuer l'histoire principale et trouver la porte de Jotunheim. Pensez à mettre un pouce, abonnez-vous, c'était Loul5100, ciao ciao ciao.